Matthieu 26 à partir de 17. Oh, quelle grâce d'être dans la sainte présence de Dieu. Amen. À partir du verset 17, et nous allons jusqu'au verset 29. Merci d'honorer la parole du Seigneur. Nous lisons la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 26, 17 dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité je vous le dis, un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur ? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Amen. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne jamais être né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Moi, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai avec vous du nouveau. J'en boirai avec vous du nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Quelle belle lecture. Dommage que tu n'as attendu que la fin pour dire amen. Amen. J'aime qu'à chaque verset tu dises amen parce que tu crois que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais beaucoup dire à l'Église aujourd'hui, c'est que il faut que tu saches que l'ennemi de l'homme, le diable bien-aimé, ne saura jamais mesurer, alléluia, amen, le niveau que tu atteins avec le Seigneur. Amen. C'est cela la folie du diable et c'est ça qui fait qu'il peut continuer à attaquer quelqu'un qui est pourtant atteint un niveau où lui, le diable est là, il ne peut plus rien lui faire. Alléluia. Amen. Il attaque d'ordinaire les gens lorsque les gens sont sans protection. Et vous savez qu'on est sans protection lorsqu'on n'a pas Christ dans sa vie. Amen. Mais vous remarquerez que quand bien même les hommes reçoivent Jésus dans leur vie, le diable continue encore son travail. Il vient, il revient toujours pour essayer d'attaquer l'homme et essayer de l'anéantir. Vous avez vu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'a même pas eu froid aux yeux, qu'il est même allé attaquer Jésus, alors que Jésus n'était pas n'importe où. Il n'était pas dans la ville en train de se trimballer, il n'était pas en train de vivre une vie ordinaire de tout le monde. La Bible dit qu'il était en prière, alléluia, amen, et qu'il était dans le jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Mais c'est là où la Bible nous dira, lorsqu'il eut faim, le diable se présenta à lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si je commence mon sermon par vous parler du diable qui ne lâchera rien, qui te poursuivra toujours et qui tentera toujours de t'attaquer, c'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi, cette nuit, m'a lancé un défi. Il m'a lancé un défi en me disant, aujourd'hui, je vais te poignarder dans le cœur. Je m'attendais donc, en me réveillant, bien-aimé dans le Seigneur, à voir qu'est-ce qu'il va faire qui va toucher mon cœur. Alléluia. Amen.
Alors, bien aimé, lorsque je progresse dans ma journée, je reçois des messages, des SMS des gens qui me parlent des conditions de transport aujourd'hui. Je reçois des messages, bien aimé, des personnes qui me disent leur programme d'aujourd'hui. C'est alors que j'ai compris que pour l'ennemi, il voulait passer par ces choses-là pour m'atteindre. Mais c'est aussi là où je me suis rendu compte que je peux bénir le Seigneur. Amen. Je peux être heureux de servir Dieu, de marcher avec Dieu, parce que mon ennemi, il n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui peut encore m'atteindre et qu'est-ce qui ne peut plus m'atteindre. Amen. C'est comme quelqu'un qui se dit, si je l'insultais comme ça, il sera déstabilisé. Mais il ne sait pas qu'au fond de toi, tu peux être déjà préparé à recevoir n'importe quelle insulte et que les insultes ne marcheront plus pour toi. Amen. Il y a des femmes comme ça, lorsque l'homme de sa vie, son mari, l'insulte, elle est déstabilisée, peut-être toute une semaine, tout un mois, elle n'arrive plus à respirer, elle commence à suffoquer. Chaque fois qu'elle pense à l'insulte, elle est déstabilisée. Mais il y en a aussi, tu peux l'insulter du matin au soir, son cœur est comme immunisé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi immunisé? Son cœur est comme barricadé. Les choses ne l'atteignent plus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La barbe du crapaud bien-aimé n'atteint jamais l'oiseau qui vole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut que tu te connaisses toi-même. Il faut que tu saches. Il faut que ton ennemi se trompe sur toi. Tant qu'il ne se trompe pas, bien-aimé, c'est qu'il est en train de te maîtriser. Il est venu, il était sûr qu'avec la faim que Jésus avait là, sur la montagne, s'il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Il croyait que ce Jésus-là réfléchissait comme lui. Ou réfléchissait comme les gens que lui contrôle. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Mais Jésus étonne même l'ennemi. Il étonne Satan par ses réponses. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Bien-aimé, il faut que ton ennemi se trompe sur toi. Il faut que ses calculs se démontrent être erronés. Mais il viendra avec du zèle. Il viendra avec un courage tel que il sait que cette fois-ci, l'arme que je vais utiliser contre cet homme, je vais l'anéantir. Bien-aimé, il ne s'était pas arrêté à la montagne et aux 40 jours de jeûne de Jésus. Il a poursuivi jusqu'à la croix. Et à la croix, il était sûr, il était convaincu qu'il était en train de remporter une victoire. Dis-moi, ton ennemi doit toujours se tromper sur toi. Oh, bien-aimé, sois enthousiaste, car ces paroles que tu prononces vont devenir un bouclier sur ta vie. Et l'ennemi ne pourra jamais contrôler ta vie. Amen. Il peut préparer les choses toute la nuit pour qu'au matin, tu sois surpris et que par la surprise, tu sois déstabilisé et que par cette déstabilisation, tu lui ouvres toutes les portes de ta vie et par les portes ouvertes, qu'il ait le pouvoir de te dominer et de te détruire. Mais lorsqu'il viendra le matin, il constatera, bien-aimé, que son arme n'a pas marché. Dis avec moi, l'arme de l'ennemi ne marchera pas avec moi. Oh, qu'il le nomme Satan 2, qu'il le nomme Satan 10, qu'il le nomme Satan 100. Alléluia! Cette arme-là ne marchera pas avec moi. Sur la croix, bien-aimé, Jésus était là agonisant. Le diable était sûr de remporter la victoire. Moi, je ne suis pas émotionnel. Bien-aimé, moi, je ne suis pas circonstanciel. Je suis fondé dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus était là agonisant. Pour le diable, c'était fini. Pour le diable, il l'a mené peu à peu, alléluia, jusqu'à son humiliation. Voilà pourquoi il lui a enlevé les habits. Il a fait qu'on mette une inscription sur la croix pour dire, celui-ci disait, alléluia, Amen, qu'il est le roi des Juifs.
On n'a même pas voulu écrire selon que le diable voulait. On a seulement écrit roi des Juifs. Parce que même dans cette arme-là, Dieu était supérieur à l'ennemi. Bien-aimé, ton Dieu a le contrôle sur tout. Il a le contrôle sur ta vie. Et jamais ne pense que le Dieu des cieux te laissera à la merci de l'ennemi. Même si tu vis des choses compliquées, même si tu vis une saison de choses compliquées, le Dieu de gloire qui t'a créé, il t'a créé pour une destinée, il t'a créé pour un but, il t'a créé et il a un projet sur toi. Il dit dans sa parole, je connais le projet que je formais sur vous, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le diable se dit, ce que je vais faire à Josis aujourd'hui, je vais le poignarder dans le cœur. Mais il se rend compte, au moment où je parle ici, au moment où je tiens ce micro, au moment où je sers mon Dieu, il se rend compte que sa flèche n'a pas pénétré, que son arme n'a pas fonctionné. Il faut plus pour me déstabiliser. Il faut plus pour me déstabiliser. Alors j'ai compris que l'ennemi ne sait pas évaluer mon niveau. C'est à cause de cela qu'il perdra toujours devant moi. J'ai dit qu'il perdra toujours devant toi. Il ne saura jamais, bien aimé, comprendre qu'est-ce que tu deviens avec Dieu. Il te regardera comme un simple anon. Alléluia. Le petit d'une ânesse. Mais il ne verra pas celui qui est monté sur toi. Oh, lorsque j'étais attaché, je n'étais qu'un anon normal. Mais lorsqu'on a mis des habits sur moi, lorsqu'on a mis des vêtements sur moi, et qu'on a fait asseoir le maître sur moi, je ne suis plus le porte-quel des anneaux, je ne suis plus le porte-quel des petits dynamés, je suis celui qui entre avec le roi de gloire, non pas comme quelqu'un qui va être tué dans les jours à venir, mais comme le roi qui doit être célébré. Est-ce que quelqu'un peut célébrer avec moi Jésus de Nazareth aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort Jésus? L'ennemi ne te connaît pas, mais il te connaîtra par la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 26, pour revenir un peu à une certaine idée de la Pâque. En général, lorsqu'on parle de la Pâque, bien-aimé, les prédicateurs aiment faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. D'où la différence, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça fait plus de 5 ans avec mon frère Guélo. Et qu'on se dispute toujours sur Pâque avec S ou Pâque sans S. Alléluia. C'est devenu au fil du temps un amusement pour nous. Aujourd'hui encore, avant le culte, il m'écrivait, il m'a dit, je te laisse ta Pâque là sans S, alléluia, pour toi et tes amis juifs, et nous chrétiens, c'est la Pâque avec S. C'est en général ce que les gens aiment dire lorsqu'ils parlent de la Pâque. Ils aiment faire cette différence que pour les juifs, eux célèbrent leur sortie de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et que nous, chrétiens, nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Je les cite comme ça parce que ça ne va pas faire l'objet de mon message. Alléluia. Amen. Parce que j'ai voulu réfléchir à quelque chose de plus profond sur la Pâque, bien-aimé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé toutes ces notions qui sont déjà répandues, un peu ordinaires. Et moi, j'ai toujours la tâche et le souci de pouvoir aller encore un peu plus en profondeur. Parce que si nous sommes appelés docteurs de la parole, il faut que cela soit démontré, bien aimé, par la pertinence des choses que nous amenons à l'Église. Alléluia. Alors, à l'instar de toutes ces notions préliminaires que tu connais sur la Pâque, bien aimé, je vais commencer à te dire une chose très capitale. Est-ce que tu peux me suivre cet après-midi? Amen. Ce message est très important, il va affecter ton esprit. J'aimerais te dire qu'autour de la Pâque, pour Jésus, il a établi 2 choses essentielles. Et je vais te parler de ces 2 choses aujourd'hui. Première chose que le Seigneur vient introduire au travers de la Pâque, c'est bien aimé dans le Seigneur, c'est que j'ai nommé le changement d'attitude.
Dis avec moi changement d'attitude. Changement d'attitude. Bien-aimé dans le Seigneur, tu remporteras des grandes victoires dans ta vie si tu sais changer d'attitude par rapport à ce que tu vis là à l'instant ou par rapport à ce que tu es appelé à vivre dans les jours à venir. Et si quelqu'un est avec moi. Amen. Souvent notre attitude, notre humeur, tout ce que nous faisons, bien-aimé dans le Seigneur, est lié aux choses que nous vivons à l'instant ou aux choses que nous redoutons. Alléluia. Amen. Selon que tu t'attends à des bonnes choses, tu peux commencer à ressentir de la joie. Selon que tu t'attends à des mauvaises choses ou tu as des incertitudes, bien-aimé, tu peux commencer à développer des inquiétudes. Et on verra dans le chef de quelqu'un, dans son comportement, bien-aimé dans le Seigneur, une attitude qui démontre le fond de son cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais il arrive aussi, comme je l'ai dit pour les cas du diable, il arrive aussi que l'on trouve des gens bien-aimés, des gens qui normalement devaient pleurer, mais qui sont en train de rire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le tout dépend de la révélation que tu as, même des mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Oh, tu ne m'as pas compris. J'ai dit le tout dans ta vie pour que ton attitude ne reflète pas forcément ce que tu es appelé à vivre ou ce que tu redoutes. Le tout dépendra de la révélation que tu as, bien-aimé, des choses qui peuvent t'arriver ou qui doivent t'arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons ici le cas du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la Bible nous dit que le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Alléluia. Amen. Pour les disciples, ils étaient dans un calendrier normal, c'était la période de Pâques, c'était le jour même de Pâques, où selon la tradition juive, ils devaient manger l'agneau. Le temps d'un soir. Amen. Alléluia. Amen. Pour célébrer la libération. Et les disciples, comme ils étaient respectueux de la tradition, et Jésus aussi respectait sa tradition, ils ne pouvaient pas passer outre la Pâque. Alléluia. Amen. Il leur a dit, allez à tel endroit, vous verrez une maison, entrez-y et dites au propriétaire que c'est là où moi, le maître, je viendrai célébrer la Pâque avec mes disciples. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu lis scripturairement, bien-aimé, tu vas t'arrêter à ce qui est écrit. Or, un bon exégète de la parole est celui qui fait parler les Écritures. Je n'ai pas voulu suivre le cheminement des faits, ce que Jésus était en train de faire en ce moment-là. Mais je suis entré en Jésus. Jésus qui dit, allez à tel endroit, et c'est là qu'on va célébrer la Pâque. Il était dans quel état moral? Il était bien-aimé dans le Seigneur, dans quel état psychologique? Vous savez qu'il n'y a rien qui ne surprenait Jésus, n'est-ce pas? Amen. Et j'ai dit, est-ce que vous savez qu'il n'y a rien qui ne surprenait Jésus? Amen. Il a dit à Nathanaël, je crois, non? Lorsque tu étais là, assis sous l'arbre, je te voyais. N'est-ce pas? Amen. Il est donc capable, bien-aimé dans le Seigneur, d'anticiper les choses, de voir les choses autrement. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus qui parle ici, Jésus qui dit ici, bien-aimé, allez préparer la Pâque, il était dans un état moral tel que, bien-aimé dans le Seigneur, il devait être déstabilisé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il devait être déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue, il était en train de voir, il était en train, bien-aimé dans le Seigneur, de sentir ce qui devait lui arriver. C'était à l'approche de la fin. La fin de Jésus était en train d'être signée, selon les hommes et selon le diable dont je t'ai parlé en introduction, qui se trompe toujours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais c'est Jésus, bien-aimé, qui savait qu'il allait souffrir, qui savait qu'il allait être plongé dans des graves problèmes, bien-aimé, dans le Seigneur, qui savait que la peur allait l'envahir, l'angoisse allait s'emparer de son cœur. C'est Jésus-là, bien-aimé, qui savait que bientôt, là, bientôt,
serait mis à mort. Il change d'attitude. Alléluia. Amen. Au lieu d'être plongé dans la tristesse, au lieu d'être bien-aimé dans le Seigneur, subjugué par des problèmes qui allaient lui arriver, Jésus, il organise un festin. Dis avec moi, festin. La peur, bien-aimé, la mort qui était devant lui, toutes les souffrances qu'il devait endurer, ne l'ont pas empêché de célébrer la Pâque. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Ce n'était pas seulement pour respecter la tradition, mais c'était surtout pour donner un message puissant à ceux qui croyaient en lui. Alléluia. Amen. J'ai dit, c'était pour donner un message puissant à ceux qui croyaient en lui. Jésus change d'attitude. Alors qu'il était quasiment déjà entré dans le couloir de la mort. Parce que là même au repas, il commence déjà à parler de cette mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il dit, nous mangeons ici, mais l'un d'entre vous me trahira. Il va me vendre. Vous comprenez? Amen. Donc la chose était imminente. Et cette chose qui était imminente, c'était quoi? C'était qu'il devait passer par la croix. Il devait souffrir. Il devait subir une mort atroce. Il devait subir une mort ignominieuse. Il devait porter la honte, bien-aimé. L'angoisse et la peur l'environnaient déjà. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais c'est Jésus-là, dans cet état moral déprimé, où il devait être déprimé. Alléluia. Amen. Il ne se cache pas pour célébrer la Pâque. Il ne cherche pas à fuir son problème. Alléluia. Amen. Il ne cherche pas, bien-aimé, des excuses. Il ne dit pas à Dieu, je m'étais trompé. Maintenant que je ne passe pas par la croix, reprends-moi que je remonte là-haut. Jésus-Christ change d'attitude. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Il organise une fête. Un festin, bien-aimé. On pense que c'est selon la tradition. Mais je t'apporte la révélation que Jésus était en train de nous donner un exemple pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu redoutes, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui pourrait te faire peur, alléluia, ne laisse pas ton attitude s'adapter à ces choses-là. Ne laisse pas ton attitude être commandée par les choses que tu redoutes. C'est le plus grand message de la Pâque, bien-aimé, que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Ce n'est pas seulement tout ce que les prédicateurs disent tous les jours, mais c'est une dimension nouvelle que le Seigneur veut montrer à son Église. Alléluia. Amen. Alors, pour te faire comprendre cela, il s'introduit dans une attitude de fête, Jésus. Il entre dans une attitude de fête, au lieu d'être triste. Et vous savez que généralement, Jésus était assez discret. Il allait à un endroit, c'est la foule qui le suivait. Il n'était pas trop mature vu. Alléluia. Du reste, lorsqu'il guérissait les gens, parfois il leur disait, n'allez pas en faire la publicité. Est-ce que quelqu'un a lu ces choses dans la parole de Dieu? Amen. Mais nous voyons ce Jésus-là, d'ordinaire et généralement discret, il change aussi d'attitude. Lorsqu'il dit « Allez dans la ville, vous trouverez un anneau, une ânesse attachée. Détachez-les et ramenez-les-moi. » Alléluia. Amen. Il n'est pas dans son attitude normale. Parce que s'il avait déjà des anneaux, il serait monté directement sur les anneaux qu'il possédait. Lorsqu'il dit « Allez me chercher ceux-là », ça veut dire qu'il n'avait pas l'habitude de monter sur les anneaux et d'attirer les regards comme ça. C'est un changement d'attitude. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la tristesse allait envahir la corporation. La peur, l'angoisse. Lorsqu'on frappera les bergers, les brebis allaient se disperser. Mais Jésus anticipe ces choses-là. C'est pourquoi je dis Pâques. Célébration anticipée de la grande victoire. Amen. Oh, par cette Pâque-là, Jésus
a voulu montrer à l'Église que désormais, vous ne vous réjouirez pas, vous ne célébrerez pas quand tout sera prêt, mais vous allez commencer à célébrer avant même que les choses soient établies. Amen. Bien-aimé, il dira, prenez l'anneau. On amène l'anneau, on met les vêtements dessus et on fait monter Jésus. Lis bien. On le fit asseoir. Et lorsqu'il est assis sur l'anneau, ils entrent maintenant par la porte de Jérusalem. Et la Bible dit ceci. Plusieurs personnes d'entre la foule prirent des rameaux et en jonchèrent le chemin. C'est-à-dire, sur tout le parcours de Jésus, le chemin qu'il allait emprunter, on a fait un décor de fête. Parce que les rameaux symbolisent cela. Et la Bible dit que les gens qui étaient là, ils ont enlevé leurs vêtements et ils ont étalé sur le chemin. Donc l'anneau marchait sur les vêtements. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te parler de la gloire à Dieu, de l'honneur à l'anneau. Non, je t'ai dit ça, ce sont les préliminaires de tous les prédicateurs. Moi, je t'apporte la révélation du changement d'attitude. Avec ce Dieu-là, nous commençons à célébrer. Alléluia. Amen. Alors que nous ne sommes rien. Amen. Au moment le plus, le plus déstabilisant, au lieu de te voir pleurer, on te verra affirmer la foi. Et ceux qui n'auront pas compris le message, alléluia, amen, ils parleront comme cet homme qui a parlé au roi devant le prophète en disant telle chose n'arrivera pas. Et c'est des gens que tu piétineras aux portes de la ville. Le jour où la gloire va arriver. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Changement d'attitude. Jésus change d'attitude. Il entre dans l'attitude, non pas de celui qui allait prochainement être tué, mais il entre en Jérusalem comme un roi qui est célébré. C'était contraire à ses habitudes. Ce jour-là, il a dit au moins aujourd'hui, la fanfare de David va sonner dans Jérusalem. Amen. Oh, j'ai dit la fanfare de David va sonner dans Jérusalem. Amen. Ce jour-là, bien-aimé, c'était plus que l'arche qui venait de chez Obed-Edom et qui rentrait dans le pays. Ce jour-là où Jésus entrait à Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une telle gloire, il y avait une telle effervescence, il y avait, bien-aimé dans le Seigneur, un tel mouvement d'hommes que cela ne pouvait que susciter la jalousie de ceux qui régnaient. Bien-aimé, nous sommes au temps où les gens nous regardent comme rien. Alléluia. Mais à cause de l'attitude que tu vas prendre, même ceux qui règnent, même ceux qui ont des foules, même ceux qui ont l'argent, ils vont se rendre compte que tu as quelque chose qui te distingue d'eux. Et c'est là où tu verras un riche commencer à jalouser un pauvre. Et c'est là où tu verras, bien-aimé, quelqu'un qui est élevé commencer à souffrir dans son cœur. Mais comment est-ce que cet homme est bizarre comme ça? Comment est-ce que cet homme est mystique? Comment est-ce que son attitude ne rencontre jamais les problèmes qu'il connaît? C'est alors que tu vas comprendre, bien-aimé, que Jésus, en cette Pâque, t'envoie un message puissant. Il t'envoie un message puissant. J'ai dit qu'il t'envoie un message puissant. Ne laisse pas les choses de la vie dicter l'attitude que tu vas avoir. Il savait que dans un proche avenir, il allait être tué. Il allait être humilié. Mais il entre dans Jérusalem. Non pas en se cachant. Quand on a peur d'être attrapé, quand on a peur d'être tué, on se cache, bien-aimé. Là où Jésus s'est caché, il n'était pas en danger. Là où il était en danger, il s'est montré devant tout le monde. Amen. J'ai dit qu'il s'est montré devant tout le Amen. Monde. C'est pourquoi, bien-aimé, son entrée dans Jérusalem, j'aimerais te lire cela. Alléluia. Amen. Matthieu, toujours au chapitre 21. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant,
Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir. Ils firent asseoir Jésus. Alléluia. Ils les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Alléluia. Ne sens-tu pas ici une forme de célébration qui quitte la célébration traditionnelle, mais qui monte à la dimension supérieure? Alléluia. Les cris « Hosanna », les cris « Hosanna » dans les lieux très hauts, ce ne sont pas des cris de la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce sont des cris du ciel, bien-aimé. C'est une dimension à venir. C'est ce qui nous attend lorsque nous serons avec Dieu, avec Jésus, dans le royaume éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais ces choses-là commencent sur la terre, c'est parce que Jésus a changé d'attitude par rapport à tout ce qui devait lui arriver. Est-ce que nous comprenons encore la parole? Amen. Est-ce que nous recevons encore la parole? Amen. Ou nous sommes influencés par les masses et les foules? Est-ce que nous savons ce qui a, ce qui doit nous faire du bien? C'est Jésus ici, dans Matthieu 26, qui est l'ordonnateur de la fête. Mais ce que j'aime ici, avant que je n'aborde le deuxième point, premier point, je dis du message que Jésus nous donne par la Pâque, premièrement, c'est le changement d'attitude. Ne laisse pas les choses qui t'entourent, les choses que tu redoutes, dicter ton attitude. Entre dans la célébration avant même que tu n'aies vu, possédé. Alléluia. Amen. Et même si tu sais que demain c'est la mort qui m'attend, aujourd'hui, montre à celui qui amène la mort que la mort n'est rien face à toi. C'est comme ça que nous avons dit en introduction. Lorsque Jésus eut faim, le diable lui a parlé. Il n'a pas tenu compte de ses 40 jours de jeûne et prière. Il n'a pas compris que dans cette prière-là, Jésus avait encore multiplié les forces. C'est pourquoi j'avais dit en introduction, ton ennemi se trompera toujours. Il se trompera toujours sur toi. Lorsqu'il dira cette arme ici, mettra fin à sa vie. C'est une arme qui ne réussira pas. C'est une arme qui ne prospérera pas. Amen. Tu peux attaquer par les flèches. Il m'a promis aujourd'hui de me poignarder dans le cœur. Dès le matin, j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais j'ai vu mon cœur. Il n'était pas poignardé. Parce que ce que le diable ne savait pas, c'est que je suis immunisé. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent plus m'atteindre. Il faut plus pour me déstabiliser. J'ai dit ici dans Matthieu 26, c'est lui qui dit où il faut qu'on célèbre la Pâque. Il est donc l'organisateur du festin. Mais ce que j'aime bien aimé, Jésus ne sera pas un ordonnateur de fête comme celui qui était dans les noces de Cana. Il ne sera pas cet ordonnateur de fête là. De qui on dira tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Quand les gens sont déjà enivrés, Noélie. Alléluia. Amen. Il ne sera pas cet ordonnateur des repas-là.
qui va d'abord donner le mauvais vin et qui aura gardé le bon vin. En instituant cette Pâque-là, il vient directement avec ce qu'il faut. Et tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus vient avec le bon vin. Tu sais en quoi tu peux voir cela. Et tu sais en quoi tu peux comprendre que la Pâque du Christ est différente de la Pâque des Juifs. Bien-aimé, ils célébraient, mais les malades restaient malades. Ils célébraient, mais les boiteux restaient boiteux. Ils célébraient, les pharisiens, ils parlaient beaucoup, mais il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas, bien-aimé, dans le Seigneur, la puissance de Dieu qui était démontrée. Mais lorsque Jésus vient avec le changement d'attitude, lorsque le Seigneur vient, il vient avec un repas spécial qui apporte la solution en Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il vient directement avec le bon vin, le vin bien-aimé dans le Seigneur, qui va amener tout homme à la connaissance véritable de Dieu. Car vous savez que le vin est un enseignement. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Car vous savez que le vin est un enseignement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte de cela. À qui les hélas, sinon à ceux qui s'enivrent de vin en pleine journée. C'est le vin qui leur dicte leur comportement. C'est le vin qui les commande, bien-aimés. Jésus anticipe le temps de souffrance en instituant quelque chose de nouveau, un repas jouissif. Alléluia. Amen. Et il entre dans Jérusalem, non pas comme quelqu'un qui va être tué dans les prochains jours, mais comme un roi qui doit être célébré. Amen. Il savait, bien-aimé, la souffrance de la croix, c'était pour lui. Mais la gloire qui allait suivre était pour nous. Comme il n'avait plus le temps, bien-aimé, comme il n'avait plus le temps de venir festoyer avec nous lorsque la gloire viendra. Il anticipe, il nous montre déjà l'attitude qu'on doit avoir face à la croix. Ah, mon Jésus, donne-moi un peuple qui t'aime. Amen. Donne-moi un peuple qui aime ta parole. Amen. Donne-moi un peuple qui a soif de toi. Amen. La deuxième chose que Jésus introduit, bien-aimé, dans la Pâque, il introduit le changement d'attitude. Il introduit la deuxième chose, le mysticisme de Dieu. C'est ici qu'il y a démarcation. Alléluia. Amen. Entre la tradition et l'effectivité des choses. Ce qui était l'ombre des choses à venir. Où l'agneau bien-aimé, alléluia, Amen, était l'élément principal de la Pâque juive. Sans agneau, il n'y a pas de Pâque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce jour-là, Jésus ne demande pas à ce qu'on tue une bête. Jésus ne demande pas, bien-aimé, à ce qu'on apprête un agneau. Il prit du pain, le rompit, et il dit, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe. Il dit, prenez ceci et mon sang. Amen. Où est l'agneau? J'ai dit, où est l'agneau? Amen. Si on était là pour respecter la tradition, où est l'agneau? Amen. La Pâque de Christ, bien-aimé. C'est l'introduction du mysticisme divin. Amen. Où les hommes ne sont plus amenés à manger la chair d'un animal, mais la chair d'un homme qui était devant eux. Amen. Où les gens sont appelés à boire le sang d'un homme qui était devant eux. Vous savez que son affirmation a créé des remous parmi ses disciples. Ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qu'il dit? Où il veut nous amener? C'était un repas inédit. C'était pour la première fois qu'il mangeait des choses, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'avait jamais imaginé manger. Amen. J'ai dit, c'était pour la première fois qu'il mangeait des choses qu'il ne pouvait jamais imaginer manger. Amen. C'était pour la première fois qu'il boive des choses qu'il n'imaginait jamais boire. Amen. C'est pourquoi je l'appelle un repas mystique.
Et Jésus introduit ici le mysticisme de Dieu. Et c'est alors que j'affirme, bien-aimé, c'est ce que le pharisien ne pouvait pas proposer. C'est ce que le monde ne pouvait pas proposer. C'est ce que Jésus a amené. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis le pain qui est descendu d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas ici pour perpétrer la tradition. Je ne suis pas ici pour confronter la position des religieux. Je suis ici pour introduire une nouvelle lignée, bien-aimée dans le Seigneur. Commencer une nouvelle histoire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est l'introduction des grandes choses ici. C'est l'introduction de la divinité. Il est en train de pénétrer les esprits pour s'asseoir éternellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Pâque du Seigneur, ce n'est pas n'importe quoi. La Pâque du Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ils avaient leur Pâque toutes les années. Les malades restaient malades, bien-aimés. Les démoniaques restaient toujours sous l'emprise de l'ennemi. Mais lui, il est venu avec un repas spécial qui apporte des solutions. Amen. J'ai dit qui apporte des solutions. Amen. J'ai dit Jésus vient avec les solutions divines. Amen. Et il veut que l'homme commence à célébrer la victoire de manière anticipée. Bien-aimé, tu es malheureux si tu attends de devenir riche pour comprendre des riches qu'il était, qui s'étaient appauvris pour toi. Si tu le comprends maintenant, si tu commences à adopter l'attitude de celui qui a été rendu riche maintenant, même si tu n'as rien, tu vas commencer à tirer des choses vers toi. Amen. On ne verra plus les traces de la tristesse sur toi. Oh, bien-aimé, tu attendras longtemps. Tu ne verras pas de traces de tristesse sur moi. Amen. Parce que je sais où je vais avec Dieu. Amen. Je célèbre de manière anticipée. Alléluia. Amen. Je sais que je vais passer par la croix. Je sais que je vais être molesté. Je sais que je vais être tué. Mais je commence d'abord par célébrer la Pâque. Amen. Et j'entre en Jérusalem, non pas en me cachant, mais assis sur un anneau. Amen. Et le peuple chante. C'était pour la première fois que Jésus voulait qu'on chante pour lui comme ça. Mais ça, c'était un exemple et un modèle qu'il nous laissait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, pendant les repas, il dit, ceci est mon corps, bien entendu, mangez-le. Alléluia. Amen. Ceci est mon sang, buvez-le. Alléluia. Amen. Il dit aussi, vous ferez ceci en mémoire de moi. Lorsqu'il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, il veut dire, n'arrêtez pas de célébrer. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Lorsqu'on fait quelque chose à la mémoire de quelqu'un, ça veut dire qu'on le fait de manière perpétuelle. On le fait tout le temps. On le fait à chaque étape de sa vie. Amen. Qu'on soit content ou pas, on le fait. Parce qu'on le fait à la mémoire de quelqu'un. Il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Lorsque tu te souviens qu'il a pris ta place à la croix, tu fais alors quoi? Tu célèbres. J'ai dit, tu célèbres. Amen. Lorsqu'il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, il est à dire, ne vous arrêtez pas de célébrer. Et il leur dit même quelque chose de fort et puissant. Il leur dit, je ne prendrai plus du fruit de la vie, jusqu'à ce que je le prendrai de nouveau avec vous dans le royaume céleste. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Donc je vous laisse le temps de célébrer. Célébrer! Moi, je suis mis en quarantaine. Je suis à la brèche. J'intercède pour vous.
Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez tous sauvés, recueillis par moi, le jour où je viendrai, suspendu dans les airs, et que vous monterez par ascension, et qu'il y aura enlèvement, et que je vous roulerai en moi, et que vous serez transformés pour habiter éternellement avec moi dans le royaume de mon Père. Amen. C'est alors que je célébrerai encore. Mais vous ici-bas, célébrez. Célébrez. J'ai dit célébrer. Amen. Alors, il y a une problématique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la problématique de la symbolique. Alléluia. Amen. Et ce mot-là est toujours compliqué pour les théologiens. De la transsubstantation. Tu vas les prendre comme ça. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a une problématique. Est-ce que le pain que nous prenons ici et le vin que nous mettons dans la coupe, après avoir prié, alléluia, amen, ça reste dans l'ordre de la symbolique ou ça se transforme vraiment au corps et au sang de Jésus? Amen. C'est une grave discussion théologique, bien-aimé. Cette discussion a départagé les gens comme les Martin Luther King et les gens comme les Wingley, là, des grands théologiens, des théoriciens des choses de Dieu, ils ont parlé, ils ont partagé à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a substantationnalité? Alléluia. Amen. Ou il y a juste ce qu'on appelle la consubstantation? C'est-à-dire le pain préparé là aujourd'hui par maman Jemima, le vin qu'elle a prêté pour la Sainte Seine. Lorsque nous prions, est-ce que ça devient véritablement le corps et le sang de Jésus? Mais notre réflexion va nous amener dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Suis-moi très bien, Jésus a changé quelque chose. La Pâque ne devait plus rester la Pâque que le monde avait connue, qui s'établissait en tradition et parmi ce peuple. Pour l'Église, Jésus a ouvert une autre porte. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 11, bien-aimé dans le Seigneur, et je vais prendre à partir du verset 29. La Bible dit ceci, je commence au verset 28 dans ma version, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je posais la question de savoir la problématique entre la symbolique et la transsubstantiation. Est-ce qu'on a la transsubstantiation? C'est le transfert d'une matière en une autre. Alléluia. Amen. C'est ça qui consacre qu'après la prière, le pain là, préparé sans levain, et le vin qu'on met dans la coupe, deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La consubstantiation,
C'est là la symbolique. C'est-à-dire que c'est symboliquement qu'on prend ça. Ça ne se transforme pas après la prière. C'est pourquoi, pour te donner mon avis de bibliste, je suis allé lire avec toi 1 Corinthiens chapitre 11. Pour te dire, mon bien-aimé, comment est-ce que si c'est un repas ordinaire, qu'il reste dans la symbolique, l'apôtre peut affirmer ici que pour l'avoir pris indignement, les gens sont tombés malades. Pour l'avoir pris indignement, il y en a même qui sont morts. Comment un repas préparé par toi-même, préparé par vous-même, Église, présenté ici, après la prière de celui qui a autorité, ce repas-là va avoir la puissance et la capacité, pas seulement de faire du mal, hein, parce que lorsqu'on le prend dignement, on est béni. Amen. Ça veut dire que Jésus nous apporte un repas qui nous apporte la bénédiction, qui nous apporte la guérison. Lorsque la table est préparée, le pain est déposé, le vin est mis en place, bien-aimé dans le Seigneur, la prière est dite, ces choses-là se transforment véritablement. Et c'est cela qui démontre la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors à Corinthe, on avait fait de ce moment festif-là un moment de diversion, un moment de divagation. Les gens commençaient à se disputer les parts. Il y en a qui voulaient des gros morceaux. Parce que c'est une véritable célébration. La Pâque pour le Christ, c'est la célébration anticipée de sa grande victoire. Amen. Vous allez remarquer qu'après le repas de la Pâque, c'est alors qu'on va nous parler de Gethsémané. Après avoir mangé, il se rendit sur une montagne. Vous comprenez? Après avoir mangé, c'est là où il dira à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je serai en train de prier. C'est alors qu'il reviendra pour dire, vous n'avez pas pu veiller avec moi juste une seule heure. Vous comprenez? Sa souffrance a commencé après la Pâque. Mais comment quelqu'un qui allait vers la souffrance prend l'attitude de celui qui est en fait? Il entre en Jérusalem assis sur un anneau. Et il amène un repas qui n'est pas le repas de la tradition. Il ne présente pas l'agneau. Il ne mange pas de chair ce jour-là. Il dit maintenant, c'est ma chair à moi que vous allez manger. Amen. Amen. Il y a donc, bien aimé, véritablement transformation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus dit, ceci est mon corps. Et comme bibliste, je t'ai dit que quand je prie pour le pain, ce pain-là devient véritablement le corps de Jésus. Amen. Si tu as foi en approchant la table, tu manges le corps et tu bois le sang. Et toute maladie qui était en toi, toute sémence mauvaise, qui avait pris le contrôle de ta vie, va rester sur cette table-là. Amen. Où l'agneau lui-même est témoin. Amen. Aucune puissance des ténèbres, bien-aimés, ne va posséder l'esprit de tes enfants. Amen. Ils seront sous protection. Amen. Ils ne seront jamais atteints. Même lorsque tu ne seras pas là, tu ne craindras pas que les malheurs leur arrivent. Amen. Mais tu seras serein en sachant ils ont reçu la véritable sémence. J'ai dit la véritable sémence. Bien-aimés, nous sommes passés d'un Dieu ordinaire à un Dieu surnaturel avec le repas que Jésus amène. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, par ce repas, nous saluons la source de notre joie. Il n'est donc plus question d'être dans la tristesse. Il n'est donc plus question que l'ennemi qui est venu cette nuit me menacer en me disant qu'aujourd'hui je vais te poignarder dans le cœur. Alléluia. Amen. Il a établi tous ces mécanismes l'avant-midi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de te dire, mon cœur n'est pas atteint. Amen.
Il faut plus pour me déstabiliser. L'ennemi a échoué. Il se trompe sur nous. Quand il te minimise, quand il minimise ce que tu fais, toi tu es en train de monter. Toi tu es en train de t'élever. Toi tu es en train de recevoir une autre portion. Et tu es en train de distribuer la vie. Bien-aimé, tu peux marcher. Tu peux aller à gauche, à droite. Tu peux recevoir des prières et des prières. Je t'assure, si tu rentres en toi-même, tu sauras que la prière qui te délivre, c'est celui que le Seigneur t'accorde par son serviteur. Amen. Tu verras toi-même et tu constateras que depuis que tu es en contact avec cette onction, bien-aimé, ta vie est en train de changer. Amen. Il y a une paix en toi qu'il n'y avait pas. Oh, même si tu avais connu tout ce monde, tu n'avais pas la paix que tu as maintenant. Parce que quand signe le temps de Dieu, quand le ciel signe le temps de Dieu, c'est alors que le changement véritable arrive. L'anneau était sans valeur, attaché au devant d'une case. Mais lorsque le Seigneur a dit « Détachez-le », bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau n'avait pas de valeur. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un vous dit « Qu'est-ce que faites-vous ?» Dites « Le maître en a besoin. » Ça veut dire que celui qui détenait les anneaux, il n'avait que faire de ça. Ah, prenez, il ne me sert à rien. Oh, bien-aimé, pour le monde, tu ne servais à rien. Mais ton Seigneur sait à quoi tu vas servir. Amen. Je dis, ton Seigneur sait à quoi tu vas servir. Amen. C'est pourquoi, sois là où tu sers à quelque chose. Amen. Ne va pas là où tu es fondu dans la masse. Ne va pas là où on ne te calcule pas. Bien-aimé, ce que Dieu va faire de toi, ce sera plus grand que ce que tu es en train d'aller célébrer. Amen. Parce que toi, tu auras célébré le véritable. Il t'élèvera au-dessus de ces hommes sans fondement, sans fond, qui n'ont rien de substantiel, qui n'ont pas mangé la chair, qui sont restés au niveau de l'agneau. Mais toi, tu as mangé le corps et tu as bu le sang. Amen. C'est une affaire de foi. Amen. C'est une affaire de révélation. Amen. C'est une dimension spirituelle, l'introduction d'un élément nouveau. De la véritable révélation sur l'agneau. Jésus ici est en train de dépasser le niveau de l'agneau pour introduire son corps et son sang. Là où le repas des Juifs ne produisait aucun effet, le repas de Jésus nous amène les guérisons. Il nous amène les bénédictions. Amen. Lorsque tu participes à sa table, tu reçois quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Et bien aimé, je termine par te dire, si tu changes d'attitude comme Jésus, si tu introduis le mysticisme divin dans ta marche avec Dieu, tu connaîtras même ce qui s'est caché autour de toi, mais qui voulait ta destruction. Amen. Sans ce repas de Pâques, Judas ne serait pas dévoilé. Parce que jusqu'au repas, lorsque Jésus dit « L'un d'entre vous me trahira », même lui a levé la voix pour dire « Seigneur, est-ce moi ?» Jésus lui a répondu « Tu l'as dit. » Et dès qu'il prit le morceau trempé, Satan entra dans Juda. Quand tu commences à célébrer, ma sœur, les Judas vont sortir un à un. Amen. Amen. Quand tu es dans l'attitude de tristesse, ils viendront pleurer avec toi, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est plus facile aux gens de venir pleurer avec toi que de venir célébrer avec toi. Amen. C'est pourquoi lui l'a dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que cette Pâque ne passe pas comme toutes les Pâques d'Israël passées.
et que cette Pâque introduise, alléluia, amen, introduise le véritable Christ dans vos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.